Ali a 12 ans. Il vit avec ses parents et ses deux frères et sœurs dans une petite maison en zone rurale. Son père est agriculteur et sa mère vend des produits agricoles sur le marché local. Ils travaillent dur et sont hors de la maison toute la journée. L'école d'Ali a fermé à cause de la Covid-19. Sans ordinateur à la maison, Ali n'a pas pu suivre les cours en ligne. L'école lui a envoyé des livres et des feuilles de travail. Mais quand il est bloqué, il n'y a personne pour l'aider. Au fil de la journée, Ali a très faim. Il avait l'habitude de déjeuner à l'école, mais maintenant, il n'y a rien à manger à la maison pendant la journée. Sa faim s'accentue l'après-midi et il a du mal à se concentrer sur ses devoirs scolaires. Certains jours, il sort dans le village au lieu de jeter un coup d'œil à ses livres d'école. Il voit souvent des garçons plus âgés qui lui donnent parfois quelque chose à manger ou à boire. Ils pensent qu'ils font peut-être partie du groupe armé local. Mais ils sont vraiment amicaux et semblent toujours heureux de le voir.